Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal People. Notre actualité People comprend deux grandes informations capitales. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rater une info et n'oubliez pas de vous abonner. Sadio Mané quitte déjà sa femme. Les vacances d'été auront été de courte durée pour Sadio Mané qui ne passera finalement que 2 semaines avec sa jeune femme. L'attaquant sénégalais est déjà de retour à Al Nassr en Arabie Saoudite pour la prochaine saison. La vie d'un footballeur professionnel est tout sauf un long fleuve tranquille. Et Chatamba l'apprend déjà à ses dépens. Récemment mariée à Sadio Mané, la jeune femme doit déjà se contenter de bouts de temps avec son mari. Et les vacances de cet été 2024 n'y changeront rien. Au Sénégal où ils profitent du bon temps, le couple ne jouira pas bien longtemps de ce moment d'intimité. Leur escapade n'aura en effet duré que 2 semaines. En cause, les obligations professionnelles du double ballon d'or africain. Le lion de la Teranga a quitté le Sénégal pour rejoindre le camp d'entraînement d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Le joueur a partagé des images de ses séances d'entraînement sur ses comptes sociaux. Kofi Olomide a été convoqué, voici les raisons. Antoine Christophe Agbépa Mimba, connu sous le nom de Kofi Olomide, célèbre star de la rumba congolaise, a été convoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, SAC, l'organe de régulation de la RDC. En République démocratique du Congo, RDC, le célèbre artiste de la rumba congolaise Kofi Olomide a été convoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, SAC. Cette convocation fait suite à une déclaration de l'artiste remettant en question l'existence d'une guerre dans l'est de la RDC, lors de sa participation à l'émission « Le Panier, The Morning Show » sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Lors de cette émission, Kofi Olomide a déclaré « De quelle guerre parlez-vous ? Il n'y a pas de guerre. Nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce que l'on veut. » Ces propos ont été perçus comme une remise en cause de l'agression dont est victime le pays de la part du Rwanda, ainsi que du manque d'efficacité des forces armées de la RDC, FARDC. Suite à ces déclarations, le journaliste Jesse Kabazel ainsi que son émission ont été suspendus préventivement par la directrice générale de la RTNC. Dans un courrier, elle a exprimé ses regrets quant aux déclarations de l'artiste, reprochant également aux journalistes de ne pas avoir recadré Kofi Olomide. Cette affaire a suscité de vives réactions au sein de la population congolaise et a relancé le débat sur la situation dans l'est de la RDC.